Donc l'utilisation du MIGPAD pour nous, c'est surtout travailler par demi-groupe de façon simple, c'est-à-dire proche des vestiaires, proche des terrains d'entraînement, de façon à être très réactif avec les joueurs. Plus que répondre à un besoin, ça répond déjà à une logique d'évolution. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément. Les joueurs sont très digitalisés et on ne peut pas se permettre de passer des heures et des heures dans une grande salle vidéo, lumière éteinte, à faire et refaire les matchs. On a besoin de choses précises, de consignes claires et de faire des séances courtes pour que les messages passent le mieux possible. Et le MIGPAD il répond complètement à ça parce que lui, avec la mobilité qu'il nous permet, on l'amène partout au centre d'entraînement. Les quotidiennes. Quotidiennes parce que on a un peu dématérialisé la séance vidéo au lieu de mettre ça toujours sur le planning, séance vidéo à telle heure, etc. De temps en temps, on a juste besoin de montrer une image, les joueurs passent devant, regardent et hop, on va sur le terrain. Et en fait, on fait vidéo sans forcément s'en rendre compte. Donc, la fréquence d'utilisation, c'est du quotidien. Oui, complètement, parce qu'en plus, on pourrait se dire qu'une grande télé suffirait. C'est encore le format au-dessus et la tactilisation nous permet de mieux utiliser notre logiciel vidéo. C'est-à-dire qu'on utilise des interfaces qui nous permettent de gérer à la fois les chiffres et les images. Et le côté tactile de l'écran nous permet en plus de mieux traiter les données. On est dans la grande salle vidéo ou simplement des petites télés, quoi, même, voilà, tout simplement. Nous, il nous a permis ce gain de temps et l'efficacité, c'est une chose qui est déjà importante, mais en plus, il a permis au groupe de mieux travailler parce que les joueurs et les entraîneurs se sont appropriés la technologie. En fait, ce n'est pas que les analyses vidéo qui diffusent les informations. C'est les entraîneurs qui, eux, se sont appropriés le MIGPAD. Ils n'ont plus besoin de moi. Ils se branchent, ils s'utilisent. Les joueurs, de la même façon, par petits groupes, viennent, se regardent le match et utilisent l'écran pour se faire sans forcément y mettre un nom dessus. Ils se font des réunions entre eux, des réunions de travail. D'accord.